Vance les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je suis trop contente parce que je vous montre quelques petites pièces que j'ai pu me choper chez Rebellious Fashion. Franchement allez voir le site parce qu'il y a des choses genre géniales et super abordables les gars. Donc allez-y, j'ai même pas été sponsorisée ni quoi que ce soit, mais voilà, je vous fais la pub parce que vous savez, like, je dois donner un PDJ à mes papayas, ok. Alors pour les nouvelles papayas qui le savent pas, quand je fais des hauls et tout ça, je ne mets pas trop d'efforts dans le fait de faire des tenues. En fait, c'est juste pour vous montrer la pièce. Toutes les pièces que vous allez voir ici, j'en ferai des tenues, mais sur Instagram. Donc, allez me suivre là-bas. Et pour les papayas qui aimeraient vraiment me soutenir, ben, allez taguer la marque, ok? Allez taguer la marque quand je vais poster une photo ou alors une vidéo portant l'une des pièces. Comme ça, peut-être qu'on va choper une petite collab. Je pourrais, du coup, si jamais ils veulent collaborer, ben, vous ramener d'autres pièces, etc. Mais soutenez-moi, ok? Que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, taguez la marque. Il y a des pièces qui n'ont pas d'emballage, mais... Promis, je ne les ai pas encore essayés ni quoi que ce soit, donc voilà. Ces derniers temps, j'ai été super occupée et il fallait absolument que je filme quelque chose qui me détend, quelque chose que j'aime bien filmer, quelque chose qui, voilà, où j'aime bien rigoler et être folle, etc. Juste pour décompresser un peu, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ok? Ça. Like. Je vais voir avec quoi je pourrais bien porter ça, juste pour ne pas rendre la tenue vulgaire, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'aime quand même le simili-cuir, tout ce qui est en vinyle, etc. Donc ça ne me dérange absolument pas, mais c'est juste comment est-ce que je vais mettre, agencer la tenue pour que ça ne passe pas vulgaire. Parce que ça pour moi c'est juste un bout de tissu quoi, c'est littéralement un bout de tissu. Puis c'est court, puis c'est, tu vois, puis ça s'éliminé. Tu vois quand il y a trop de sucre, tu mets un peu d'eau. Vous imaginez maintenant? Ma vidéo elle finit dans le feed de ma mère, like. En plus elle s'est abonnée récemment, je vous dis. Elle s'est abonnée à ma chaîne, ok? Donc elle reçoit toutes mes vidéos. Elle s'est abonnée même aux notifications. Chileke, mais you don't want me to prosper. Oh, chileke. Ah, ça va la choquer. Elle dit, mais oh, ça c'est pas ma fille. Ça c'est pas mon fétiche. Tu vois, pendant 24 ans. Ça c'est ça que j'ai éduqué. Alors voilà la tenue, je n'ai pas encore regardé le miroir, vous savez je ne regarde jamais sans vous quand je fais mes colis, ok? Donc on aura ma première réaction. Déjà je sens que mon nombril là, on ne le voit pas et c'est le plus important pour moi. Parce que quand je mets des crop tops etc et machin, je fais toujours en sorte que soit mon pantalon soit haut, soit mon top soit bas. Mais au moins qu'il y ait le nombril de caché, ok? Mais c'est vrai que des fois voilà mon nombril peut sortir un peu par-ci par-là, mais c'est pas intentionnel. Ok, bon, c'est pas moche, ça va, il est pas moche. Ah, je viens de découvrir un peu de longueur. Déjà c'est bien parce qu'il y a un peu plus de longueur, en fait c'était un peu rentré, donc voilà, c'est un peu plus long, déjà ça j'aime bien, mais c'est juste que c'est un peu bizarre l'effet élastique comme ça, mais ça va, ok. Qu'est-ce que j'en pense du top? Il est bien parce qu'il soutient bien, ok? Après, si vous avez une plus grosse poitrine, bon, je ne pense pas que ça va. Je pense que ça va un peu déborder quand même. Mais voilà, je reste sur le fait de devoir mettre quelque chose au-dessus. Parce que pour moi, ça, je pense que c'est un peu too much. Je pense pas que... Peut-être pour une photo, quelque chose comme ça. Peut-être en été ou quoi. Alors, si je mets cette veste-là, peut-être que ça va bien donner. Attendez. Enfin, là, je suis beaucoup plus à l'aise. Après, ça, c'est un truc de personnalité, ok? C'est juste moi. Je mettrais bien sûr, de préférence, un blazer noir. Mais bon, là, j'en ai pas un. Donc, une veste noire comme ça, elle est assez lourde. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, je suis beaucoup plus à l'aise, quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise. Ou alors, ma veste pédalée vélo. Oh! Ça fait longtemps. Attendez. Alors voilà avec ma veste pédalée vélo. Vous-même, vous savez d'où cette veste. Mmh. Cette veste vraiment longue historique. T'enlèves les vestes. Tu mets sur l'épaule. Alors comme je suis en pantalon, je pense que je vais en profiter. Je vais essayer de mettre un haut ou quoi. Je pense que je vais mettre ça, je vais essayer. Donc j'ai acheté ça chez Missguided. Alors voilà comment j'ai décidé de porter ce top là. J'ai hâte de regarder au miroir. Que j'ai vu les tons, les couleurs, je me suis dit, ah, il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc voilà, vous savez très bien, j'aime beaucoup
les looks un peu monochromes comme ça, donc voilà. Bref, on va regarder au miroir ce que ça donne. J'espère que c'est exactement comme j'imaginais ça dans ma tête, ok? Sinon, vraiment... ok! Ah, j'aime vraiment bien! J'aime beaucoup le mini top ici. Ouais non, il est vraiment très joli en fait. J'aime beaucoup l'association en fait de ce top là avec ce pantalon là. Ce pantalon là, j'ai besoin de le retoucher aussi. Moi j'ai besoin de retoucher 90% de ce qu'il y a dans mon armoire, ok? Mais c'est juste que des fois j'ai pas le temps. Je vais y penser, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je l'ai aussi en noir, je l'ai porté dans ma dernière vidéo, donc allez voir ça. C'est exactement le même, sauf que là c'est une couleur les gars. Yeah! Donc ouais, dites-moi si vous aimez la pièce et ensuite dites-moi si vous aimez la tenue. Alors dans les colis ouverts, on a celui-ci, donc c'est exactement pareil que celui que je porte tout simplement. Alors voilà la prochaine tenue, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas que ça change énormément de la pièce juste avant. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est super super joli. J'aime beaucoup ce que ça donne en fait sur ma carnation, donc voilà. Et puis c'est pas une couleur que j'ai dans ma garde-robe, donc ça m'a ramené un petit truc de différent. Donc je suis vraiment trop trop contente par rapport à ça. Moi nous on nous appelle vraiment les femmes portfolio. Pourquoi? Parce qu'on ramène un peu de variété, on ramène un peu du choix et de la multitude. Et notre belle maman nous aime beaucoup. Non, il faut que j'arrête. Il faut que je commence à entamer des procédures pour pouvoir arrêter. Parce que ce n'est plus possible. Même ma cardio ne suit plus. Alors ensuite on a cette petite boucle que j'ai trouvée genre trop trop mignonne. Elles font un peu old school comme ça. C'est exactement le type de boucle d'oreille que ma mère portait à l'époque. Et à l'époque elle s'habillait genre trop trop bien avec des sales tenues et tout ça. Ma mère vraiment c'était craqué. Elle était sucrée. Attendez, avec cette tenue là je pense que ça ira même. Faut que je me rapproche du miroir par contre. Alors. Ah là. Ouh. Well done, well done, well done. Gloria, vraiment ton degré de sucre. Hein? Faut tosser un peu. Non, je déconne. Y'a moyen d'être comme moi ou quoi? Les filles, si vous recherchez des boucles d'oreilles comme ça, n'hésitez pas. Elles sont trop jolies. Et moi, je suis pas très boucle d'oreilles. Il fut un temps que j'aimais vraiment beaucoup les boucles d'oreilles, les bijoux imposants, etc. Et non! Moi, à l'époque, je ressemblais vraiment à Miss Tati. À l'époque, avec Esther, mon amie, non! On portait vraiment les bijoux comme ça. Ça nous descendait vers le bas tellement c'était lourd. Je sais pas pourquoi, je suis plus dans le discret et machin et machin. Donc je porte plus tellement de boucles d'oreilles. Mais là, je pense que non, là je suis tombée amoureuse. Avec un afro, avec les cheveux tirés en arrière, avec peut-être les cheveux mis en arrière comme... Hey! Chez Barack. Les gens vont nous connaître aujourd'hui. Les gens, vraiment, si vous ne nous connaissez pas aujourd'hui, vous allez nous connaître demain. Moi, j'ai dit, les gars. Ooh, she that girl, she fine one time. So she got a friend, said, I'll bring mine. One G&T and she want wine. One sip, she not acting shy. Got too much to lose. French girl wanna G, that's rude. Je me souviens pourquoi est-ce que je l'ai pris. Parce qu'en fait chez Zara, leurs pantalons avec ceinture comme ça, j'en suis sûre que vous avez déjà pu les voir hein, parce qu'ils sont genre partout partout. Mais le problème c'est qu'ils sont droits vers le bas. J'aime beaucoup ce type de pantalon ici, mais ça dépend vraiment. Quand j'ai vu ce pantalon genre évasé, ah non, je suis devenue folle. Je me dis, you and me, you are going to make great things. J'espère que ça va bien tailler par contre. Ça me fait un peu peur parce que vu, je vois comme c'est large ici, ça me fait un peu peur. Alors voilà la prochaine tenue. Et j'avais un top spécifique en tête, mais il est dans la machine à laver. Donc on va faire avec ce qu'on a, ok? Mais je vous montrerai ce que je mettrai bien avec ce pantalon là sur Instagram. Donc allez me suivre, Tiny and Brown. Vous avez des idées de tenue là-bas. Et donc voilà, abonnez-vous, ok? Likez aussi pour me soutenir, comme ça je vois que vous êtes là. Ouais. Le pantalon il est grand.
ok, le pantalon il est grand parce que même sans la ceinture il ne tient absolument pas, c'est genre il tombe. Donc là j'ai dû bien serrer. Ouais voilà, je vais rajouter un trou comme ça la ceinture soit bien placée quand même, parce que là ça fait un peu bizarre, il y a une petite bosse. Mais sinon ouais, le pantalon il est grand mais il tient, c'est bien, il tient super bien avec la ceinture. Alors par contre je vais pas me retourner parce que le pantalon est quand même un peu transparent, mais il faut vraiment se concentrer, penser à mettre quelque chose en dessous parce que le toit, petite anecdote d'ailleurs. J'étais là en train d'avancer à une station de métro, comme ça il y avait une femme juste devant moi, seigneur, je me souviens c'était en été. Je me demandais si c'était fait exprès ou si elle n'avait pas vraiment vu. Parce que des fois, voilà, tu penses que tout va bien, etc. Mais quand tu vas à l'extérieur avec la lumière du jour, il y a des choses qui sont révélées. On va pas dire quoi, mais des choses. En fait, il faut que je pointe les choses que je n'ai pas vues. Voilà, ce serait beaucoup plus facile. Mais sinon, c'était genre, on voyait tout de A à Z. Valet, en tant que femme, que je lui dise, écoute, copine, on voit tout. Et la go, elle est venue en mode, ouais, est-ce que je peux avoir ton manteau? Et j'ai dit, quoi? Yeah, j'ai pas signé pour ça. Je me suis dit, ma veste là, de 70 euros. Bah, allez, quand même. Allez, quand même. Je peux pas dire que je lui aurais passé ma veste, mais on n'était pas du tout loin des magasins. Ok, c'est un peu un centre-ville. Elle m'a rien demandé, mais franchement, je l'aurais bien accompagnée, je me serais mise derrière rien. Bref, voilà, petite anecdote. Ok, quand c'est un peu fluide, un peu transparent comme ça, il faut pas commencer à regarder devant le miroir. T'es là avec ta lumière pourrie, là, t'as pas changé depuis. Faut aller à la lumière du jour ou demande à quelqu'un vraiment. On veut pas ce genre de cas. Parce que moi, les manteaux 70 euros là, fianta. Moi, je. Hey, les gens, ils n'ont pas peur de dire. Don't want any discrete. Je parle beaucoup trop. Je fais un peu me fouiller, ok? Comme si vous alliez me répondre genre, ok. Ça, franchement, j'ai beaucoup, j'ai fort hésité. C'est mort, je vois déjà. Peut-être que ça va passer. On va essayer, mais j'ai l'impression que ça va pas tenir et que je suis beaucoup trop fine pour ça. Donc, attendez. Attends, non. Wait a minute. Non, il y a moyen. Attends, c'est quelle taille, ça? Kining, kining, kling, kling, kling. J'ai trop content. Franchement, j'ai trop content. Parce que regarde. Émotion. J'ai même pas besoin de retoucher cette top là. Moi là, je dois tout le temps aller faire des chichis, mettre des ceintures, faire ci, faire ça. Et là, regardez, ça tient, ça rentre. C'est oh, émotion. Bref, on va regarder au miroir. Émotion. J'ai envie de pleurer limite un peu. Je suis vraiment ridicule. Non mais franchement, je suis vraiment trop contente. Ça taille super bien. Vous pouvez le voir. J'ai un buste, mais vraiment très. Genre, je suis très fine, ok. Peut-être que vous voyez pas vraiment en caméra, mais je suis vraiment très fine. Donc voilà. Et là, c'est genre ça serre quoi. Ça tient bien. Soit la couleur, elle est magnifique. C'est d'une couleur un peu blushy comme ça. Fait très classique. Je vous le recommande fortement. Et comme je vous le dis tout le temps, que vous soyez skinny ou alors curvy, s'il y a un top que vous trouvez très joli, essayez-le. Ok, il faut pas vous dire ah non, je suis trop ci, je suis trop ça. Essayez-le, peut-être que ça ira. Et si la pièce ne correspond pas, c'est la pièce qui ne correspond pas et pas vous qui correspondez pas à la pièce. Changez de top, changez de pantalon. Ok, vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc voilà, mais bref, tout ça pour vous dire. Je parle trop. Nails on fleek, swag is clean, this girl is dripped up, yeah. Style unique, wild and sweet. I just wanna sing about it. So let me go ahead and sing about it. Brother wanna sing about it. How comes I never see you around it? Alors voilà ce qu'il donne. Il est genre un peu trop oversized. Il est vraiment super oversized. Donc j'ai dû mettre une sorte de top bandeau comme ça, vous voyez ça. Donc ouais, je vais voir ce que ça va donner au miroir. Ok, c'est pas moche, mais c'est genre ça ne tient même pas. Je suis pas très confortable avec. Si ça pouvait genre être serré, genre rien serré, parce que ça je vois pas comment, vous voyez, genre si ça pouvait être comme ça, ce serait vraiment super top. Ah là ça va vraiment pas, hein. Mais il est beau, il fait pas cheap du tout. J'aime bien la couleur, c'est d'une couleur un peu taupe clair comme ça. Franchement j'aime beaucoup, mais va falloir chipoter un peu parce que regardez jusqu'où ça, regardez, c'est too much, non ça tient même pas, c'est hyper over ça. Et c'est du S, hein, c'est du S. Sachant que je fais du XS, too much quoi. Même si on dit oversize, ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? En tout cas, j'ai pas envie de le renvoyer, ça c'est clair. On va essayer de chipoter un peu par-ci par-là.
maquillage, ça va d'office bien tailler parce que c'est super élastique. Donc normalement ça devrait aller. Alors voici la prochaine tenue. Bon après je mettrai plus ça en été, ok. Mais là j'avais juste la flemme, donc j'ai décidé de laisser mon petit top bandeau comme ça. Mais voilà le pantalon. Je vais regarder tout de suite à côté. Il est vraiment très joli. Il est vraiment super joli. Regardez le bas. Non, j'aime beaucoup, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Beaucoup de personnes je pense ne remarqueront pas. Donc c'est vraiment un petit chichi de rien du tout. Mais c'est juste que vous-même vous savez que j'aime beaucoup me faire faire des robes et tout ça en Afrique. Et donc les couturières en Afrique ont tendance à faire des petits détails comme ça. Donc elles donnent vraiment une dimension, un certain, je sais pas, un certain mouvement comme ça aux vêtements que vous portez. Et c'est ce qui fait le truc en plus. Je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais on appelle ça layers. C'est genre il y a différentes couches, des étapes, je sais pas comment je le dis. Et donc du coup quand vous avancez, c'est genre ça donne un certain mouvement. Je vais quand même vérifier ce que l'arrière donne, ok. Après je viens avec les rapports. Les gènes, les gènes. Ah non, je n'ai pris le même pantalon que le blanc mais en noir. Les gars, je me suis littéralement servi. Je pense qu'il était à 18 euros, quelque chose comme ça, en tout cas moins que 20 euros. Moi je trouve ça correct pour un pantalon comme ça. Donc encore une fois avec cette même ceinture, donc ça va donner juste pareil quoi. Je vais essayer ça pour vous montrer un peu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et les papayas, n'oubliez pas, si vous êtes réellement une papaya et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas, bah abonnez-vous. Et en plus de ça, abonnez-vous à ma page Instagram. Et en plus de ça, ben, taguez la marque. Tout ça, ça me permet en fait d'avancer et de pouvoir collaborer aussi avec d'autres marques, etc. à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez absolument pas. C'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine les papayas. Bisous. Mouah. J'ai trop pas de charisme avec cette tenue, on s'en fout. Moi, ce que je fais, quand mon pantalon il est trop long et qu'il pleut, mais c'est genre il faut pas me regarder. Il faut pas me regarder. C'est genre ton problème n'est pas mon problème, mon problème n'est pas ton problème, ok. Nous avons nos problèmes distincts.